tu es bon. Chacun de nous ici peut témoigner que tu es bon. Tu as été bon, tu es bon, tu seras bon. Merci pour ta miséricorde qui a renouvelé tous les matins pour tes enfants. Que ton nom soit élevé, que la gloire et l'honneur te reviennent. Car tu es bon. Et ta miséricorde dure à toujours. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ce matin, nous continuons le message du dimanche dernier. Le pasteur a dit de continuer. Donc, le Seigneur va continuer. Et ce matin, nous voulons parler toujours de l'eau dans le sanctuaire, mais l'eau du sanctuaire qui coule. Quand l'eau coule. Alléluia. Mais avant de parler de l'eau qui coule, je veux que ce soit clair dans nos esprits qu'il y a un seul qui est la source de l'eau qui coule. Pas n'importe quelle eau, l'eau vivante, l'eau de vie. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10:5, est-ce qu'on peut avoir Hébreux 10:5? Hébreux 10:5. Nous pouvons nous lever pour lire la parole. Hébreux 10:5 dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, ça veut dire qu'il était quelque part, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je voudrais qu'on le lise ensemble. 1, 2. C'est pourquoi, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il dit, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit le dimanche dernier que nous sommes le sanctuaire. Mais le premier sanctuaire, c'est Christ. Il dit, en entrant, donc il était quelque part, la Bible dit, il était auprès de son Père. Il a quitté sa gloire et il est venu dans le corps que Dieu a préparé. C'est pourquoi ce corps est devenu un sanctuaire. C'est pourquoi sur ce corps, les cieux étaient ouverts. C'est pourquoi sur ce corps, il y avait une activité angélique. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler de l'eau qui coule. Mais Christ dit, dans Jean 4, au verset 10, il dit à la femme, si tu sais, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, virgule, et qui est celui qui te parle? Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné quoi? De l'eau vive. Je veux que ce soit clair. L'eau vive là. Il n'y a pas un autre qui donne ça. Il y a un seul qui est la source de l'eau vive. Un seul en qui tu peux avoir beaucoup d'eau. Hein? Il y a beaucoup de sources. Mais l'eau vivante, là, c'est en Christ. L'eau qui donne vie, là, c'est en Christ.
On va lire Ésaïe 12. Ésaïe 12, 3. Dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Jésus est la source du salut. Tu ne peux pas puiser l'eau là ailleurs. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament, on dit tu vas puiser. Samson a puisé. Moïse a puisé. Lui dit dans le Nouveau Testament, tu ne vas plus puiser, mais tu deviendras. Tu ne vas plus puiser. Celui qui croit en moi, en lui, jaillira des rivières d'eau vive. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, ce qui a été dit dans l'Ancien Testament a été accompli. Seul Jésus est la source des rivières d'eau vive. J'ai dit que notre thème, c'est l'eau qui coule. L'eau qui coule, voici sa source, l'eau vivante. Maintenant, je veux parler, avant de parler de l'eau qui coule, je veux parler de l'eau qui ne coule pas. Jérémie 2, verset 13. L'eau qui ne coule pas, tu vas voir. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. En anglais, il dit, moi qui suis la fontaine des eaux vives. Il dit, ils m'ont abandonné. Pour faire quoi? Le premier péché, ils l'ont abandonné. Le deuxième, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de citernes. Comprends pour la fontaine. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de citernes que nous-mêmes, nous avons creusées. Aujourd'hui, tu vas, il y a des choses qui se passent dans le corps du Christ et tu penses que la source, c'est la fontaine des eaux vives. Le Seigneur m'a dit de nous dire ce matin, c'est pas tout ce qui brille qui est de lui. Non. Parce que pour boire, pour puiser, pour prendre dans l'eau vive là, ce n'est pas, le salut est gratuit, peuple de Dieu. Mais pour commencer à être dans l'eau vive là, ce n'est pas gratuit, il faut payer un prix. Oui, il faut payer un prix. Parce que ce n'est plus cette eau, papa Jean-Paul, où tu marches, c'est à tes genoux. Donc tu peux marcher comme tu veux, ou à ta hanche. Tu peux marcher, souvent on est dans la piscine, mais on a pied, on continue. Même quand on va dans la mer, on connaît si personne ne va où on n'a pas pied. On veut être où on maîtrise. L'eau vive là, tu ne peux pas maîtriser. C'est elle qui te maîtrise. Je racontais une histoire au premier culte. Ça fait quelques années, je priais. Je me plaignais au Seigneur. Mais papa, c'est quoi ça? Ta parole est dans l'église. On voit même des manifestations. On voit la vie des gens changer. Mais pourquoi l'église est toujours comme ça? Aujourd'hui, si on est content, c'est rempli. Si on n'est pas content, c'est dérempli. Donc, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de crier devant Dieu. Et puis, le matin, je reçois un message d'une de mes sœurs chrétiennes. Et voici le message. Un pasteur qui avait une église et qui était en train de lutter.
Il avait 250 membres. Mais il y a des fois, il n'y a que 50 qui sont à l'église. Il était découragé. Et il y a une église, hein, église qui a ouverte à côté. 11 000 membres en moins de 3 mois. Il dit, ah, c'est que lui, peut-être, il n'est pas appelé à être pasteur. Mais il va aller voir son frère, son collègue pasteur. Il allait le voir. Il dit, homme de Dieu, vraiment, ça fait 8 ans que je suis ici. Ça ne bouge pas. Mais tu es venu en interne. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me manque? Il dit, ah, tu as besoin d'avoir la puissance. Dis d'accord. Envoie-moi 3 000 et quelques naira. C'est-à-dire, quand il a dit ça, là, ça n'a pas fait tic. C'est comme ça, on est. Ton business, là, c'est comment? Mon frère, tu brilles. Ça marche chez toi. Il dit, oui. C'est facile. J'ai un gbé ici, tu rentres dedans, c'est fini. Naloman, tu rentres dedans. Ce pasteur, ça n'a pas fait clic. Que un autre pasteur te dit, donne l'argent. On va aller dans une autre ville. Ils sont allés. Il n'avait même pas l'argent. Hein. Il a emprunté l'argent chez sa femme. Ils sont partis. Ils sont allés chez un autre grand pasteur, connu. Et le soir, il le prend dans la voiture, il l'amène au bord de la mer. Et il lui dit, faut pas avoir peur. La femme qui va venir là, c'est qu'elle va te dire de faire, faut faire. Ça encore, il n'a pas regardé, puis courir. 11 000 membres là, ça le fatigue. Il voit une sirène qui sort, il voit une sirène. Elle arrive à côté de lui, elle a 2 pieds. Mais lui-même, quand il donne le témoignage, il dit, j'ai vu la sirène sortir. J'ai vu que c'est sirène qui vient. Mais arrivée à mon côté, elle avait ses 2 pieds. Elle dit, couche avec moi. Il a couché avec elle. Quand ils ont fini, elle a mis sa main, elle a pris ce qu'il a déposé là. Elle a mis sur ses mains. Vous aimez aller dans les coins parce qu'on fait les miracles. Jésus est là-bas. Ça, ce sont les citernes qu'on se creuse. Elle lui a donné. Ils sont rentrés. La nuit, il dort. La femme lui dit, à partir de maintenant, quand tu retournes, chaque mois, tu dois coucher avec une vierge et puis une femme mariée. Tu fais, si c'était toi, tu allais faire quoi? Il est parti. Tu te dis que ça va encore faire clic. Arrivé le lendemain, on l'amène encore dans un autre lieu où maintenant il doit recevoir l'huile. Hein? Les gens vous vendent les huiles partout. Ça marche. Ce n'est pas tout ce qui marche qui a pour source la fontaine des eaux vives. Monsieur est parti faire ce qu'il devait faire encore. Et encore là-bas, il devait coucher encore avec une autre. Coucher seulement. Là, on lui a donné les huiles. Et le soir, le grand pasteur là, avait un programme de croisade. On l'a mis pour prêcher. Quand il s'assoit comme ça, il te dit les choses. Il dit. Il touche comme ça. Quand il fait comme ça, tout le monde tombe. Il est rentré. Son église qui était 250 est remplie. Parce que maintenant, il y a un miracle. Il y a un miracle ici. Viens. Il y a un miracle. Il y a parole de connaissance. Son église a grandi, peuple de Dieu. Et puis un coup, son fils meurt. Boum. Ah. Dans des trucs
bizarre, l'enfant est mort. Et puis voilà, quand il voit ça là, le gars maintenant il se dit, c'est quoi ça? Deuxième fils, sa femme a pris ses bagages. Elle dit, mais 3000 et quelques là, on a pris pour nous donner en sacrifice ici. Elle est partie. Mais maintenant, lui, il va trouver le pasteur là pour dire que lui, il ne veut plus être dedans. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Tu es dedans. Et comme il dit qu'il ne veut plus être dedans, le pasteur maintenant, si le gars nous expose, il envoie des gens pour le tuer. Ça dit, ce qui n'allait plus, c'est que le monsieur, Dieu, comme Dieu le connaît, ça dit, chaque fois il rêve, il s'en va en enfer. Il rêve, il se voit aller en enfer. Donc il est parti trouver l'autre pasteur, il dit, je ne veux plus. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Quand on est dedans, on est dedans. Donc, il envoie des gens pour le tuer. Ce sont les gens là. C'est-à-dire quand Dieu t'aime, là, les gens là sont arrivés, on nous a envoyés pour te tuer. Si tu es malin, il faut fermer l'église, là, tu as parti. C'est comme ça qu'il est parti. Maintenant, c'est lui qui écrit. Quand il veut prier pour se repentir, il ne peut pas, il y a quelque chose qui marche dans son corps. Je veux nous, qu'on puisse comprendre le salut est gratuit. Mais marcher dans l'eau vive là, ce n'est pas gratuit. Le diable même te fait payer. Donc tu penses que c'est Dieu qui a te donné gratuitement. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de citernes. Les alliances qui ont été faites parce que les chrétiens ne sont plus patients. Les chrétiens ne veulent plus prendre le temps de chercher la face de Dieu. Les chrétiens veulent tout de suite, tout de suite. Donc, on rentre dans des choses parce qu'on voit des résultats. Le résultat ne veut pas dire que Dieu est dedans. Il est la fontaine des eaux vives, la fontaine de l'eau qui donne vie, de l'eau qui change. Nous devons avoir le discernement. Maintenant, je veux parler de l'eau qui coule. L'eau qui coule là, ce n'est pas pour faire miracle en premier. Quand l'eau coule, et pas n'importe quelle eau, c'est pourquoi je mets l'eau vive là. J'aime bien dire l'eau vivante, parce qu'en anglais on dit living water. Quand l'eau vivante coule là, ce n'est pas par les miracles. Si c'est comme ça que tu vois, c'est compliqué. Quand l'eau vivante commence à couler en toi, quand elle commence à travailler, Jésus dit à la femme, l'eau que moi je donne là, quand je te donne, tu n'as plus soif. Est-ce que toi tu as toujours soif? Voilà un premier signe. L'eau que je donne là, quand je te donne, ton goût change. Les choses que tu aimes là, ça change. L'eau que je donne, c'est une eau qui travaille en toi d'abord. Parce qu'il dit, de ton sein jaillira. Mais ça jaillit comment? Il n'y a rien, puis ça saute un coup. L'eau qu'il donne, quand il te donne cette eau-là, c'est ta vie qu'on regarde d'abord. Les choses que tu aimais, tu n'aimes plus. La Bible dit, lorsqu'il a fini de parler à la dame, dans Jean 4, 28, elle a fait quoi? Elle a déposé son seau. Elle est venue, elle avait soif. Elle voulait boire. Quand il lui a donné, il lui a parlé. Quand elle a reçu ce qu'elle avait pour chercher l'eau, elle a laissé.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru. Venez, venez, venez. Vous qui me critiquez ici, là, vous qui me donnez des noms ici, je suis venu vous dire, j'ai rencontré quelqu'un, c'est le Messie. Quand l'eau là est en toi, tu ne regardes plus avec les yeux physiques. Quand l'eau du sanctuaire commence à couler en toi, tu n'entends plus avec tes oreilles physiques. Ça te propulse dans une autre dimension. Ça change ta façon de voir les choses. Ça change ton goût. Ça change. Ça te change toi d'abord. On va lire le psaume 40. Le psaume 40 dit quoi? Psaume 40 à partir du verset 8, 5, je vais lire, vas-y. Psaume 40. Il dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Verset 6. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Verset 7. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. C'est Jésus qui parle. Vas-y. Je veux faire ta volonté. Peuple de Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Quand l'eau du sanctuaire, là, quand toi qui es là, et que ça commence à couler en toi, ça commence à être en toi, voici ce qui se passe. Tu veux faire la volonté de Dieu. Et il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Parce qu'il a une relation avec lui. Il n'a pas dit, je veux faire ta volonté au Dieu d'Abraham. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Pourquoi? Parce que je te connais. Je sais qui tu es. Je suis intime avec toi. Je sais les choses que tu as faites pour moi. Je veux faire ta volonté, oh Dieu. Et ta loi est où? Au fond de mon cœur. Le psaume 51 dit, ce que toi tu veux voir Dieu, c'est que ta vérité là, soit dans mon homme intérieur. Quand tu vois que l'eau est en train de travailler, l'eau ne va pas venir travailler un coup. Non, ça commence avec toi. Vas-y, verset 9. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Quand je bois, quand je suis abreuvé par la fontaine des eaux vives, c'est ce que je fais. J'annonce la justice de Dieu. Partout où je suis, je proclame qui il est. Partout où je vais, je viens leur dire qu'il y a un Dieu qui peut changer leur vie. Il y a un Dieu qui peut les guérir. Il y a un Dieu qui peut les délivrer. Ça, c'est la présence des eaux vives. Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Moi, je suis un peu, nous les chrétiens, chacun libre de croire en ce qu'il veut. C'est que toi, c'est la citerne, c'est ça, ta source. Parce que quand c'est la fontaine des eaux vives, il n'y a pas chacun peut faire ce qu'il veut. C'est mon frère, Jésus est vivant. Mon frère, il y a quelqu'un qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi. Je vais te dire ça. Maintenant, tu peux me dire, ne me parle plus, mais moi, je t'ai dit.
Il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. C'est-à-dire, je suis toujours en train de dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait pour moi. Je suis toujours en train de le proclamer. Ça, quand on te voit, c'est que toi, tu bois dans la fontaine des eaux vives. Tu ne bois pas ailleurs. La femme samaritaine, Jean 4, verset 28, elle a laissé son seau. Parce qu'elle n'avait plus besoin de seau. Elle-même, elle était devenue un puits. Elle court, venait. Pierre a vu. Pierre a parlé. La Bible dit, Pierre avait un besoin. Jésus est rentré dans son bateau. Quand il a fini de faire ce qu'il devait faire, il dit, va dans les profondeurs. Quand il est allé dans les profondeurs, il a pris les poissons. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a laissé, peuple de Dieu, il a laissé le filet. Il dit, me voici. Pierre, que tout le monde connaît quand on lit la Bible, on le critique, il est impulsif, un gars qui a un tempérament, il est ceci, il est cela. Pierre, quand il a vu les poissons, mais je fais quoi avec les poissons? Quand l'eau commence en toi, quand l'eau est en train de faire le travail en toi, tu ne veux plus ce que l'eau donne. Tu veux devenir l'eau là. Tu veux rester avec l'eau là. L'eau, quand l'eau commence à couler, ça t'enlève d'un milieu pour te projeter dans un autre milieu. J'étais dans l'avion avec, on était dans l'avion avec notre père spirituel. On partait au Libéria. Et l'avion qu'on a pris, je vous dis, on est dans l'avion, mais quand je regarde, je vois la terre. Mais pourtant, on a dépassé un peu, hein, Tina. On était un peu dans les nuages. Là. Mais là où on était, là, on voit. Et puis, l'avion, là, tous les vents qui souffrent, Jean-Paul, ça va ici, ça vient ici. Moi, je dis, mais Daddy, ça, c'est quel avion? Parce que Daddy, ingénieur aéronautique. Il est dans les histoires d'avions. Il connaît les moteurs. Il dit, ma fille, il y a deux genres d'avions. Celui-là, son moteur, voilà où il reste. Donc, il est sujet à tout vent. Et, c'est-à-dire, il ressent plus la loi de la pesanteur. Il ressent plus tout ce qui se passe. Il dit, mais quand tu t'en vas aux États-Unis, là où l'avion va là, est-ce que tu sens tout ça? Il dit, non. Ça m'a fait clic. Il dit, mais on est nombreux. On est comme l'avion qui va au Libéria. Il faut commencer à aller plus loin. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Mais c'est nous le vent, on est comme ça. C'est-à-dire, même, souvent même si tu es tombé, tu te relèves, tu remontes, mais tu viens rester où tu es entre la terre et le ciel. Toi, tu vois encore les choses de la terre. Tu n'es pas assis à la place où Dieu t'a mise, où tu n'as pas conscience que je ne suis plus assis ici. Ma position, c'est dans les lieux célestes. En Christ, à la droite de Dieu le Père. Quand l'eau commence à couler, c'est en toi. C'est en toi. Tu regardes le livre des Actes des Apôtres. On aime bien lire. Regarde la prière des disciples dans Actes chapitre 4. Il leur dit quoi?
Ils disent pas, oh Dieu, donne-nous de faire les miracles. Ils disent non, Dieu, donne-nous la dièse de proclamer ta parole. Et toi, confirme avec les miracles. Je disais au premier culte, j'ai mon petit papa qui est décédé. C'est lui qui m'a élevé. Il m'a prise 12 ans jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. Ça fait 2 jours. J'étais à la maison, on m'a appelé pour dire ça ne va pas. Donc je vais, j'ai parlé, ça faisait 2 semaines. Je l'ai vu. Je lui ai dit, tonton, tu dois confesser tes péchés. Il dit, oui, parce qu'il avait fait l'AVC, ça fait 2 ans. Il dit, oui, j'ai dit, bon. Il était très bon au départ, mais à la fin, il a commencé à devenir autre chose. Donc, la maladie dans laquelle il est, il souffre. Donc, moi, je dis, confesse. Dis, Seigneur Jésus, purifie-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Tous les mauvais sacrifices, pardonne-moi. J'ai prié avec lui. Et là, l'aide soignante qui est là, qui est une chrétienne, qui me dit, ah, maman, s'il confesse ses péchés, il va mourir. Je dis, il ne va pas mourir. Parce que la mort que toi, tu vois, c'est la mort physique. Donc, on m'appelle, je m'en vais, le monsieur est mort. Mais dimanche, là, j'ai prêché sur, tu es le sanctuaire, non? Donc, j'arrive, puisque je suis le sanctuaire. L'eau coule en moi. Je m'en vais. Je le tape. Tonton, Seigneur, tu as dit que je suis le sanctuaire. Où j'arrive, il y a la vie. Tonton, lève-toi au nom de Jésus. Je tape sa pointe, je pleure, mais je suis dessus. Lève-toi. Le Seigneur dit, regarde celle-là. Il n'a qu'à se lever pour aller où? Je dis, lève-toi. Mais, Mike, parce que je suis le sanctuaire, donc quand je rentre, je déclare. Mais j'ai oublié. Que c'est celui qui est dans le sanctuaire qui contrôle le sanctuaire. C'est l'eau qui est dans le sanctuaire là, qui te contrôle. C'est l'eau là qui te manipule. Ce n'est pas toi. C'est pourquoi les autres peuvent faire ce qu'ils font. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il dit, le monsieur était malade. Voici papa. La première fois qu'il a fait l'AVC, on nous a appelés. On est arrivé. Mon oncle dit, je sens qu'on verse le sable sur moi. Je me suis tenu à papa. On dit, au nom de Jésus, tout ce qui est de la mort, on te chasse. Et Dieu nous a donné le monsieur pendant 2 ans. Il est toujours paralysé. Il dit, tu le réveilles pourquoi? C'est moi dans le sanctuaire qui contrôle, qui dit ici, non, tonton ne s'élève point ici. Je pleure parce que dans mon cœur, je suis la maison de Dieu. Ce que je dis doit se faire. Non, peuple de Dieu, c'est ce que l'eau dit qui s'est fait. Quand tu regardes dans le livre des Actes, le Seigneur dit à Pierre, il y a 3 hommes qui arrivent ici, tu as faim, non? Il lui donne, il lui montre une vision. Pierre ne veut pas manger parce qu'il dit qu'il ne mange pas les choses qui ne sont pas sanctifiées. Il ne mange pas de ça, il ne mange pas de ceci. Dieu même qui a dit ne mange pas, il est venu te donner, il dit mange. Tu dis tu ne manges pas, il dit bon, mon ami, il y a 3 gars qui arrivent, ils ne sont pas juifs. Hein? Suis-les. Quand l'eau du sanctuaire, quand l'eau coule en toi, quand l'eau est en toi, la présence de l'eau montre, ça va se démontrer par ton obéissance, par entre ta crainte de Dieu, les choses que tu vas faire pour lui. Parce que le miracle, c'est lui qui fait. Ouvrir les yeux des aveugles, c'est lui qui a dit, tu imposeras la main et ça arrivera en mon nom. Ce n'est pas lui qui a dit ça. Donc, comme les apôtres, ils nous encouragent.
à chercher à faire sa volonté, à chercher à proclamer sa justice, à publier la vérité de son salut. Il ne veut pas que tu caches dans ton cœur la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que c'est quand tu seras en train de faire que des choses se passeront. Arrêtons de chercher. Donne-moi, fais-moi, je veux faire des miracles. Pourquoi? Pourquoi toi tu veux faire un miracle? Pour qu'on te voie. Pour qu'on dise, waouh, elle est puissante, il est puissant. Rien ici. J'ai pleuré sur mon oncle. Mais il y a une chose que j'ai aimée, parce que je lui ai partagé la parole. J'ai regardé mon oncle, qui dans sa maladie n'était pas vraiment beau, mais j'ai vu quelqu'un qui dormait. Ce qui m'a surpris, Titi, tout ici, vous voyez, tout là, j'ai vu une barbe blanche. Donc, je dis à mon cousin, mais c'est toi qui as rasé, papa. Il dit oui. J'ai dit, ah, tu lui as même fait une phase. Il dit non, hein, maman. J'ai tout enlevé. C'est-à-dire, le Seigneur m'a fait voir quelque chose. Où le monsieur est parti, il a reçu la parole, il est libéré. Pareil pour sa femme, voici Tina. Ils sont tous musulmans. J'ai dit à Dieu, aucun de mes parents ne mourra musulman. Ils n'ont qu'à m'écouter. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Si ce, dans le dernier souffle, il va dire Jésus. Parce qu'il ne peut pas aller en enfer. Ce n'est pas un miracle que je veux faire là-bas. Le miracle que je cherche, c'est le salut de leurs âmes. Le miracle que je cherche, c'est la délivrance dans la famille. Le miracle que je cherche, c'est que Jésus soit exalté dans ma famille. Et toi, tu veux avoir une grande maison, tu veux avoir de grosses voitures, tu veux avoir un boulot comme ça. Pour qu'on dise quoi? Il y en a dans le monde. Satan a donné ça aux gens. Satan a donné ça à ceux qui ont fait une alliance avec lui. Ils sont riches. Donc ce n'est pas ma richesse qui va changer la vie des riches. C'est Christ en moi qui va changer la vie des riches. C'est Christ en moi qui va donner la vie. Peuple de Dieu, je suis venu pour qu'il y ait un réveil dans l'église. Nos aspirations ou bien nos goûts, comme on dit, nos tests, ce n'est plus, c'est trop charnel. On est dans la carnalité, on est devenu des gens, quand tu sors, on se demande, où est Jésus? Où est Jésus? Dans ton quartier, quelle est la différence que tu as faite? Et puis tu veux faire un miracle. Le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme. Il y a des gens que Jésus a guéris, mais à la fin, là, ils l'ont crucifié. Le plus grand miracle que toi et moi, on doit chercher, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes, la délivrance des âmes. Quand je rentre chez moi, quand je rentre, on me dit, ah, maman Marie est arrivée, j'ai dit, je suis là. Je suis là. J'ai vu avec ma mère. Je vous ai dit chez moi qu'il y a eu une attaque. Une attaque physique, peuple de Dieu. En pleine journée, Ibou est rentré dans la maison. Bon, dites-vous, comment les Djoula l'avons prié? Le feu au nom de Jésus! On m'appelle, oui, fais attention à toi, puisque je prends soin des affaires de mon oncle. Fais attention à toi, parce que depuis que tu as dit aux gens là de quitter, mon oncle a construit 35 villas. La 35 villas, c'était pour que lui, il puisse être dedans. Je vous dis, le monsieur a construit, n'a jamais dormi dedans. Mosquée a pris. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu les papiers.
2017, il a demandé aux gens de quitter. Ils ne veulent pas. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, je suis la fille de M. Bamba. 2000, vous quittez. Il a construit. Vous avez utilisé. 5 francs, vous n'avez pas donné au monsieur. Il vous dit de quitter 2017. Vous lui dites que vous voulez acheter sa villa. Il dit, il ne veut pas. Le monsieur est chrétien. Vous dites que vous voulez louer. Il dit, il ne veut pas. Vous n'êtes pas quitté. J'ai dit, sa fille est venue. Vous allez quitter. Donc, c'est la clé là qu'on devait aller donner, puis Ibou arriva à la maison. Donc, ma maman m'appelle. Ah, Kayadatou, il faut faire attention à toi. Parce que j'ai dit, maman, moi-même ne me vois pas. Parce que à cause de ça, c'est parti chez vous. J'ai dit, mais comment vous l'avez chassé? Mais on a mis le feu au nom de Jésus. J'ai dit, eh, vous êtes devenu chrétien. J'ai dit, peuple, voici Nadi. Je ris. J'ai dit, eh, vous êtes devenu chrétien. Elle dit, oh, fou là, ok, fou là. J'ai dit, aïe. Pourquoi vous n'avez pas. Donc, vous savez. Peuple de Dieu, ils savent. La personne qui ne sait pas, c'est toi. Sinon, eux, ils savent. Vous n'avez pas vu le sketch, là? Il y a un sketch. Le musulman était en train de prier. Et puis, le sorcier a apparu, fume. Il s'est assis. Quand il a vu, il dit, au nom de Jésus. Et puis, le sorcier même fait comme ça. Hein? Un musulman, au nom de Jésus, je m'en vais. C'est bon. Mais, je vous dis, ils savent. Le musulman sait que tu as la vérité. Le sorcier sait que tu as la vérité. Le bouddhiste sait que tu as la vérité. L'occultiste sait que tu as la vérité. La personne qui ne sait pas, c'est toi. Parce qu'ils cherchent à voler. Tu n'as pas remarqué des gens qui veulent être à tout prix amis avec toi. Des gens qui veulent faire business avec toi. Toi, tu penses que c'est parce que... Non, ton étoile, là, s'il est avec toi, ça va réussir. Jacob était chez Laban, le sorcier. Mais Laban a prospéré. Quand il est rentré chez Laban, la prospérité est rentrée. Est-ce que tu sais qui tu es? L'eau que tu bois n'est pas l'eau comme pour les autres. L'eau qui t'abreuve, l'eau qui te donne vie, l'eau qui fait de toi ce que tu es, ce n'est pas normal, ce n'est pas l'eau d'ici, c'est une eau qui est devant le trône, c'est une eau, quand elle vient, elle transforme ta vie d'abord. Je veux que tu saches, quand l'eau est en toi, tu ne meurs pas. Élisée, on dit, il est mort. Mais parce qu'il était instrument de l'eau vive. Ses eaux ont donné vie à un mort. Quand toi, tu rentres quelque part, c'est la vie. Quand tu rentres quelque part, les ténèbres sont obligées de fuir. Mais souvent, quand tu rentres, et puis la manière dont tu fais, les ténèbres disent, oh, il ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Aujourd'hui, je brise de « il ne connaît pas ». Tu connais. Et tu marcheras dans cette vérité. On a besoin de réveil, peuple de Dieu. Il y a trop de carnalité. Tant que tu seras comme cet avion, tu es entre les... On ne sait même pas où tu es. Parce que tu n'es pas loin de la terre, en tout cas. Tu es monté, mais tu n'es pas loin. Ézéchiel dit, j'ai marché dans l'eau là. Mes chevilles, mes genoux, ma hanche. Arrivé un moment, c'est l'ange là-même qui devait me faire ça. Tant que tu as ta volonté, Dieu ne peut pas. Cette eau ne marche pas dans la carnalité. Cette eau, c'est dans le spirituel. On dit le livre des actes des apôtres, mais c'est le livre de cet esprit. Parce qu'il y a des gens qui se sont disposés. Donc l'eau a coulé. L'eau a coulé.
partout où ils sont allés. Mais regarde, même ceux qui ne le connaissaient pas dans l'Ancien Testament, quand ils acceptaient, on voyait les miracles qui se passaient. Élisée a donné vie à un enfant mort. Mais pourtant, il était dans l'Ancien Testament. Mais parce qu'il a compris à qui il appartenait et qui il représentait. Ce n'est pas miracle d'abord, peuple de Dieu. En fait, ce qu'on appelle miracle, ce n'est pas ça d'abord. Que les gens me voient, qui disent, Dieu, toi aussi tu es chrétien. J'ai déjà donné le témoignage. Je ne suis pas encore arrivé là où je veux. Mais je ne suis plus là où j'étais. Il faut que tu puisses dire ça. Quand mes amis me voient, que je les vois, je me demande si on a le même âge. Ils sont flétris. Elles sont vieilles. Ah, mais Kadi, toi tu vieillis pas. J'ai dit l'eau de vie coule en moi. L'eau qui régénère coule en moi. Et puis ne te regarde pas pour dire parce que je n'ai pas ceci, cela, donc je ne suis pas. Non. L'eau qui est en toi décide ce qu'elle veut de toi. Si l'eau qui est en toi veut que tu restes célibataire pour travailler, elle fera. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais. Si l'eau qui est en toi veut que tu te maries pour qu'elle puisse couler en toi comme il se doit, elle le fera. Mon frère, il faut prier. Aujourd'hui, je veux te réveiller. Parce que moi, il est en train de me réveiller. Je veux être ce temple, ce tabernacle. Quand je vais quelque part, qu'on ne dise pas, hey, vous avez vu la femme là, moi Maria, je veux qu'on dise, il y a quelque chose, il y a quelque chose, on ne sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. Te regarde, qu'on dise il y a quelque chose. C'est-à-dire, ils peuvent même plus parler de ce qu'ils voient comme beauté, mais ils voient que il y a quelque chose. Quand les gens commenceront à dire il y a quelque chose, alors l'eau va commencer à couler. L'eau va jaillir. J'ai aimé ça. Il dit jailliront. Ça viendra avec force. Ça fera. On verra le royaume. Il y a ce chant que je chantais au premier culte. Holy Ghost, you and I will change the world. Le chant dit, Saint-Esprit, toi et moi, nous changerons le monde. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ils seront forts et ils feront des espoirs. Mais ils commencent par toi d'abord. Il dit, ils seront forts d'abord. Ensuite, ils vont faire des exploits. Ce n'est pas ils vont faire des exploits en premier. Ils seront forts d'abord. Je les fortifierai. Je leur donnerai ce dont ils ont besoin. Je leur donnerai ce qu'il faut. Là, quand ils vont se lever, ils feront des exploits. Il faut que toi-même, tu prennes conscience. Que tu saches que tu n'es pas n'importe quelle maison. Tu es un tabernacle. Et dans ce tabernacle, le Dieu vivant est là. Le Dieu vivant est là. Il dit, on va finir avec ce verset. Je crois que c'est Zacharie 13, 1. Il dit,
And it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Il dit, en ce jour-là, l'eau, il dit, les eaux vivantes sortiront de Jérusalem. Mais nous sommes le Jérusalem de Dieu. C'est-à-dire, de cette église, l'eau vivante doit couler. L'eau vivante doit couler. C'est de toi. Dieu t'a positionné. Il m'a positionné pour se montrer au monde, pour refléter sa gloire au monde. Dans ta famille, on sait que tu es palabreux, tu es toujours palabreux. Mais c'est là-bas que tu dois commencer. Actuellement, avec les funérailles, mes parents veulent m'embêter. J'ai dit, je ne parle plus. Parce qu'on dit, je suis chrétienne. Je veux faire les choses comme les chrétiens. Donc, j'ai fermé ma bouche. Avant, il a commencé à mettre le feu. Ça veut dire quoi? Je suis chrétienne. Je ne suis plus un être humain. Non, tu n'es plus un être humain. Oui. Parce que c'est ça. Il faut que je sache que je ne suis plus un être humain normal. Et je suis anormal. Parce qu'en moi vit le ressuscité. En moi, en toi, vit le ressuscité. Il y a une forme que tu as actuellement, tu ne sais pas. Mais tu as la forme du Christ ressuscité. C'est pourquoi en toi, il y a des choses qui peuvent se passer. Holy Ghost, you and I will change the world. Je veux que tu te concentres. Le chant me dit, Saint-Esprit, toi et moi, nous allons changer le monde. Est-ce que tu veux qu'on connaisse ton nom autrement? Tu veux qu'on te connaisse comme l'homme le plus riche du monde, la femme la plus riche du monde, ou bien la femme la plus intelligente, ou ceci, ou bien tu veux qu'on te reconnaisse comme le tabernacle de Dieu. Holy Ghost, je veux que tu pries. On a besoin de réveil spirituel. Saint-Esprit, toi et moi, nous changeons le monde. Vas-y, chérie. Saint-Esprit, toi et moi, nous changeons le monde. Saint-Esprit, toi et moi, tu vas briser les citernes que tu as creusées. Les puits que tu t'es creusé toi-même. Aujourd'hui, toi et toi-même, tu vas prendre le sable, tu vas fermer. Parce qu'il y a une eau qui est meilleure que l'eau des citernes, que l'eau des puits. Prie pour toi. C'est selon ta soif.
changeront le monde. Saint-Esprit, toi et moi, nous changerons le monde. Dans la maison de Naaman, c'est ça, le Syrien. La manière dont tu te vois, ça va déterminer ta marche. La petite était une petite esclave, petite fille. Naaman s'est dit, j'ai gagné. Donc je prends une esclave, elle sera aux côtés de ma femme. Mais il n'a pas compris que la personne qu'il a prise, qu'il appelle esclave, est la solution pour sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Partout où tu es, tu dois être lui. Je reprends. Partout où tu te trouves, tu dois être lui. Là où tu travailles, il a permis que tu sois là-bas parce qu'il veut faire quelque chose pour ce travail. Il veut faire quelque chose pour cette société. Les gens que tu rencontres, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il veut que les gens le voient. Tu es la solution. Tu penses que ceux à qui tu as donné naissance physiquement, tu penses que c'est là que ta mission s'arrête. Elle est plus grande. Ah, elle est plus grande parce que dans tes entrailles spirituelles, il y a des multitudes d'âmes, il y a des milliers. Et le Seigneur s'attend à ce que toi et moi, nous donnions naissance à ces âmes-là. On dit aussitôt que Sion était en travail, elle accoucha. Tu penses que c'est quel travail? Aussitôt que Sion a commencé à crier à Dieu, oh Dieu, sauve les âmes, oh Dieu, voici la situation du monde, voici la situation de la Côte d'Ivoire, oh Dieu, donne-moi la Côte d'Ivoire. Aussitôt que Sion, toi et moi, nous avons commencé à crier à lui dans le lieu secret. Nous avons accouché. Tu vas prier que le Seigneur te fasse sortir des choses Chanel. C'est joli à voir,
Ça peut donner du plaisir, mais tu auras toujours envie. Oui, tu auras toujours envie. Mais il dit, ce que je te donne là, ça reste pour l'éternité. Commence à prier. Que tout ce qui est charnel, toi-même tu connais ta vie, que le Seigneur t'en délivre. Que l'eau te purifie toi d'abord, avant que ça puisse sortir. Holy Ghost, you and I will change the world. Holy Ghost, you and me, we will change the world. Saint-Esprit, toi et moi, nous allons changer le monde. Saint-Esprit, toi et moi, nous ferons la différence. Dans la manière dont je joue au piano, Saint-Esprit, toi et moi, nous allons faire la différence. Dans la manière d'où je joue la musique, ma guitare, Saint-Esprit, toi et moi, faisons la différence. Dans la manière dont je joue à la batterie, Saint-Esprit, toi et moi, faisons la différence. Toi et moi, sur cette terre, c'est pour réflexer Dieu. Que ma manière de voir les choses change. Que ma manière de parler change. Que ma manière d'aimer change. Que toi et moi, nous marchions ensemble. Que toi et moi, nous aimions ensemble. Que toi et moi, nous allions. C'est en moi qu'il est. Alors, c'est lui et moi qui allons faire. On va se lever. Saint-Esprit, toi et moi, changeons le monde. Saint-Esprit. Il parle des rivières d'eau vive. Il parle du Saint-Esprit. Tu vas prier que dans cette communauté, seul le Saint-Esprit agisse. Je vous assure, les temps arrivent où, parce que c'est le Saint-Esprit qui agit, les gens seront aveuglés ici. Puis vont commencer à crier. Je suis sorcier. Délivre-moi, Seigneur. Pardon. Les gens viendront ici. Malades, personne ne les touchera. Parce que l'eau vivante coule, ils seront guéris. Toi et moi, changerons le monde. Tu vas lever la main. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était par mes propres forces. J'ai oublié que tu as dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, le Saint-Esprit. Je t'ai attristé. J'ai rejeté ton conseil. Aujourd'hui, que ta miséricorde me visite. Que toutes les citernes, les puits que moi-même j'ai creusés, les citernes
dans lesquels je suis allé m'abreuver, qui ne sont pas de toi. Aujourd'hui, je me répands. Je renonce à toutes ces citernes, qu'elles soient humaines, spirituelles, physiques. Seigneur, je renonce et je divorce de ces choses-là. Que les puits que j'ai ouverts aujourd'hui soient fermés au nom de Jésus. Les citernes dans lesquelles je suis allé m'abreuver soient fermées au nom de Jésus. Oh Dieu, fais de moi ce sanctuaire-là dans lequel tu fais ce que tu veux. Fais de moi ce sanctuaire que tu remplis de toi et que tu utilises comme tu veux. Trouve ton plaisir en moi, au nom de Jésus. Holy Ghost, toi et moi changerons le monde. Saint-Esprit, toi et moi changerons le monde. Je voudrais que tu saches aujourd'hui que chaque fois quand tu vas te lever, Saint-Esprit, on s'est réveillé. Allons-y ensemble. Tu vas voir des choses extraordinaires. Pour toi-même d'abord. Toi-même, tu es prophète, hein? Et prophétesse. Arrête d'aller chez les prophètes. Parce que toi-même, tu es prophète et prophétesse. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, dis Saint-Esprit, toi et moi, quand tu verras qu'il n'est pas pour, il te fera sentir. Éternel Dieu, tu as donné ta parole. Tu as dit que tu envoies ta parole pour nous guérir d'abord. J'ai la ferme assurance que le voile de l'aveuglement est tombé. J'ai la ferme assurance que les forteresses qui avaient été érigées en nous sont renversées. J'ai la ferme assurance que ces choses qui s'élevaient contre la connaissance de Christ en nous aujourd'hui, ces choses sont détruites. Parce que ta parole est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Quand elle vient, elle divise. Elle détruit. Elle fait une chirurgie. Je prie en ce jour que cette parole ne soit point volée dans le cœur de tes enfants. Que chacun de nous portions des fruits. Mais qu'aucune sémence ne soit tombée sur le sol, mais dans des cœurs qui étaient disposés. Toi, tu ne peux pas être dans un temple qui est bafoué. C'est pourquoi je prie qu'à partir d'aujourd'hui, les sanctuaires que nous sommes seront respectés parce que tu es en nous. Que ta présence en nous fasse la différence là où nous sommes, là où nous allons, dans nos lieux de travail. Je prie pour chacun, ceux qui ont une responsabilité dans leur lieu de travail. Je prie qu'aujourd'hui, ils prennent conscience qu'ils ont une plus grande responsabilité, celle de te manifester. C'est pourquoi je prie que quiconque s'élèvera dans leur lieu de travail contre eux tombera. Au nom de Jésus,
Nous sommes vers la fin de l'année, Père. Je prie que toutes les flèches enflammées des ténèbres qui sont envoyées retournent dès maintenant à l'envoyeur, au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes la sagesse qu'il faut, le discernement qu'il faut. Je vais lire un verset que le Seigneur me donne. Maintenant, ne t'assois pas. Ne t'assois pas. C'est puissant ce que le Seigneur me donne maintenant. Je voudrais, Juju, qu'on peut mettre, on puisse mettre Ésaïe 11. Voici ce que le Seigneur me dit. Il dit quand les rivières d'eau coulent, voici en fait ce qui se passe. Ésaïe 11, verset 2. Il dit, quand l'eau, les eaux sont en train de couler, ce sont les sept esprits de Dieu qui sont en œuvre. Je ne sais pas si tu comprends, il faut aller lire après. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je voudrais que tu lises, tu diras, l'Esprit de l'Éternel repose sur moi. L'Esprit de sagesse et d'intelligence œuvre en moi. L'Esprit de conseil et de force œuvre en moi. L'Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel œuvre en moi. Je suis invincible. Je suis victorieux. Je triomphe. Car j'ai la plénitude de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Dieu est bon. Hein? Le Seigneur est bon. Si tu as été béni, il faut dire amen. Si tu as été béni, il faut dire merci, pasteur Kadi. Amen. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous voulons partir avec ce que nous avons reçu aujourd'hui. Alléluia. Cette eau-là, quand elle est libérée, elle va d'abord opérer un changement dans nos vies. Et nous croyons que ce matin, nous sommes changés et transformés dans le nom de Jésus. Si tu crois que l'Éternel te visite avec les eaux vives, acclame Jésus maintenant. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Et maintenant, nous voulons reconnaître parmi nous la présence de ceux qui nous font l'honneur de nous visiter ce matin. Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, levez juste une main, nous voulons reconnaître votre présence parmi nous. Est-ce que nous avons des invités parmi nous ce matin? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Bienvenue, bienvenue. Levez-vous, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les invités? Alléluia, gloire. Bienvenue, bienvenue à Harvest. Alléluia, bienvenue à Harvest. Bienvenue à Harvest, alléluia, amen. Si vous pouvez lever les drapeaux qu'on vous a donnés, vous êtes véritablement une réponse à nos prières. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Le culte est fini pour vous. Si vous pouvez prendre vos sacs et vos affaires, nous voulons prendre le temps de prier avec vous. Alléluia. Et aussi de vous offrir quelque chose à boire. Donc si vous pouvez suivre les huissiers et les responsables, nous voulons vous recevoir dans notre salle VIP, c'est-à-dire que la salle pour les personnes très importantes que vous êtes. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils y vont? Que Dieu vous bénisse et bienvenue à Harvest. Tu vois, tes rois nous souhaitons.
le nom du Seigneur soit loué. Nous bénissons Dieu pour nos invités. Amen. En dimanche prochain, c'est le dimanche des amis. Dis après mon dimanche des amis. Et nous voulons encourager chaque personne à inviter quelqu'un. Nous avons des cartes d'invitation. Est-ce que tout le monde a reçu une carte? Amen. Tout le monde a reçu une carte? Qui n'a pas encore reçu de carte? Pour qu'on puisse vous remettre. Alléluia. Il y a encore des mains qui sont levées. Les huissiers, s'il vous plaît. Si on peut faire passer les cartes rapidement à ceux qui n'en ont pas. Gardez les mains levées jusqu'à ce qu'on vous remette une carte. Nous voulons encourager chaque membre de l'église. Alléluia. Alléluia. À prendre une carte et à inviter au moins une personne. Au moins une personne. Pour dimanche prochain. Alléluia, amen. C'est un culte spécial, amen, pour nos amis. Et nous avons la ferme conviction que le dimanche dernier, il n'y aura pas de place dans ce sanctuaire. Si tu es d'accord, il faut dire amen. Amen. Votre amen est resté au plafond. Hein. Il dit, si tu es d'accord, dis amen. Amen. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, nous voulons encourager toute l'église. Laissons l'eau qu'on a reçue là, on n'a qu'à laisser couler. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut laisser l'eau là-bas couler. Alléluia, amen. En étant une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Bien-aimé, chaque invitation que nous avons représente une âme. Alléluia, amen. Et nous avons la ferme conviction que la semaine prochaine, des hommes et des femmes seront sauvés ici par centaines et par milliers. Dans le nom précieux de Jésus, le peuple de Dieu dit amen. Alléluia, gloire à Dieu. En cette semaine, nous avons une mission à Daloa. Jeudi et vendredi, gardez-nous dans vos prières, s'il vous plaît. On sera là le dimanche pour le culte, mais nous serons à Daloa cette semaine. Amen. Donc, priez pour nous, que le Seigneur nous utilise et que Dieu se révèle puissamment dans la vie de Daloa et qu'il suscite un réveil dans l'église de Harvest et dans les églises à Daloa. Gloire à Dieu. Amen. En dernière annonce, n'oubliez pas, l'église se rencontre tous les samedis pour évangéliser. Ce samedi est le dernier samedi, enfin, dans ce programme que nous avons. Amen. C'est le dernier samedi du mois de novembre. Si vous n'avez pas encore participé à un de ces programmes d'évangélisation, vous avez encore une opportunité. Donc, s'il vous plaît, c'est toute l'église. Ce n'est pas seulement quelques personnes. Nous voulons vous encourager. Alléluia. Samedi matin, à partir de 8h, venons tous ensemble. Et nous allons aller évangéliser. Nous avons des invitations. Nous allons profiter pour inviter des personnes au culte spécial que nous avons dimanche 27. Amen. Amen. Hein? Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore participé à ce temps d'évangélisation, soyons tous là le samedi matin à 8h et nous allons sortir évangéliser. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. On va se lever pour la bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lever la main et dire merci à Dieu pour sa parole ce matin et pour ce qu'il a fait? On va élever les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a un détail qu'on a oublié. On devait faire une dédicace. On a dit, Noël, on a le certificat? OK. Je pense qu'il y a un petit détail qu'on a omis. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous 5 minutes. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. Il y a le frère Nyamke qui va faire... On leur a dit qu'on pouvait faire la dédicace aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une petite omission. Mais comme on dit souvent, c'est les aléas du direct. Amen. Donc s'il vous plaît, je vais inviter la famille Nyamke à venir rapidement. Amen. On va faire la dédicace du bébé. Est-ce qu'on peut chanter notre chant en Jesus loves the little children? Amen. Nyamke et madame, si la famille est là, venez s'il vous plaît. On va faire ça rapidement avant de partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux pendant qu'ils viennent?